Allez. Allez, on va s'échauffer. Là, on va pas commencer direct par les squats. Parce qu'on a toutes des courbatures de malade. Allez, tu fais. Donc là, tu fais le truc où t'as l'air complètement con. Mais c'est bien pour s'échauffer. Voilà. On a l'air tellement con à faire ça. Mais c'est bon pour s'échauffer. 1, 2, 1, 2. Allez, vas-y, bouge le corps. Réveille-toi, bouge ton corps. Oh là là, mobilité. Allez, tu fais 2 de chaque. Ah, ça perturbe, hein, on commence pas par les squats là. Voilà, tu mets les bras comme ça, ça fait genre tu cours alors que tu cours pas du tout, hein. Allez, tu es gainé. Je suis un peu raide moi ce matin perso. On a picolé hier soir. Et on a fait le truc horrible, c'est-à-dire qu'on s'est réveillé à 6h du matin avec le mal de crâne et on s'est rendormi. Tu sais, c'est le rendormissement matinal qui te fracasse en fait. Allez, encore. Là, tu restes d'un côté. Et du coup, c'est sur ces 2 heures là, on s'est rendormi de 6h à 8h du matin, entre le ventre, hein. Et là, tu es légèrement petit. Et tu fais des rêves putain de bizarres. Oh là là. Moi, j'ai fait un rêve complètement con là. J'allais au frigo américain pour prendre des glaçons dans un verre, sauf que c'est un énorme glaçon qui est tombé comme ça. Et après, j'essayais de le tailler. Tu dis pourquoi? Complètement débile. Aucun intérêt. Allez, vas-y. Ça fait bizarre hein, de ne pas commencer par les squats. Ah, mais il faut qu'on s'échappe un peu là. Enfin, moi, je dois m'échauffer. Je sais pas vous, mais moi oui. Allez, tu vas venir taper comme ça. Et après, on fait les squats. Hein. Tu crois pas qu'on va y échapper quand même, hein, j'espère. Allez, vas-y. On se réveille. Entre le ventre. Tu es tonique. Ouais, regarde. Regarde là. Oh là là. On dirait un petit oiseau pif. Allez, de l'autre côté. Allez. Oula. Oui, c'est moins fluide de ce côté, hein. La meuf, elle est pas gauchère, ça va, hein. Allez. Ah. Lis les jambes. On dirait qu'il se déboîte, la mienne. Ah. Rentre le ventre. Oh. Oh, je suis molle. Ça va? Allez, on s'échauffe, hein. Oh. Allez, on va reprendre d'un côté comme ça, là. Voilà. On a trop l'air con. On a trop l'air con. On a trop l'air con. Final round. Allez, tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On s'échauffe. Allez, tu retiens la descente de ta jambe. Hein. Ah. Regarde, tu rebondis un petit peu sur ta jambe là. Oh là là, je suis fatiguée. En fait, l'idée normalement quand tu fais du sport tous les jours, c'est de pas picoler comme je picole tous les jours. Attends. 2 secondes. J'ai déjà soif. Excusez-moi. Alors, il y a une fille hier qui m'a dit: arrête de parler entre les exercices. Putain, on respire jamais. Je lui ai dit: tu te fous de ma gueule ou quoi? Franchement, je parle pendant, je parle tout le temps. Mais on enchaîne tout le temps vite quand même. Allez, oui, c'est Tabata Songs. Allez, on va faire un tout petit peu le haut. On va faire celle-là, après on fait les squats. Je suis désolée, on va y passer. Allez, voilà, comme ça on réveille un peu la taille aussi. On active un peu les bras. La 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 la.
tu fais, tu pivotes. Alors il y a des anniversaires, je crois aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Ludivine. On souhaite un joyeux anniversaire à Ludivine. De l'autre côté. Et à Chaton aussi. Un chaton. Que tout le monde t'appelle comme ça, chaton. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, chaton. Bon anniversaire, Ludivine. J'espère que vous êtes tous plus vieux que moi. Et tu vas sur les côtés pour faire une torsion et rentrer le ventre. Alors, tu vas chercher de l'autre côté le ciel, le sol, et tu rentres le ventre. Ouh. Allez, rentre le ventre. Moi, je peux pas trop parce que j'ai mal au ventre. C'est des trucs de filles, ça. Et tu vois, les mecs, nous, les filles, là, quand on est sur la mauvaise période, mal au ventre, on est chapouline et tout, eh ben, on est là, hein. Heureusement, ça s'arrête pas à chaque fois que c'est la mauvaise période, hein. Voilà, je vous le dis, hein. Parce que mal à la tête, mal au ventre, de mauvaise humeur, triste, dépressive, et là, hein. Va chercher bonheur sur les côtés. Vas-y, déboîte-toi. On dit que ton haut, il veut sortir de ton bas. Allez. Je sais que ça fait chier, ça, parce que c'est répétitif, mais c'est très bon pour la taille. À condition de bien contracter les abdos, sinon ça sert à rien. Sinon, t'es une peignasse. Ah. Et au moins, tu vois, ça active tout bien le haut, là. Et c'est important pour le faire. Une torsion, tu peux même plier tes jambes. Cache ta poutine, regarde. C'est l'exercice du cache ta poutine. Cache ton pubis. Je suis désolée, mais moi ça me fait toujours rire. Je sais que c'est pas drôle, hein. En fait, ce qui me fait rire, en train de dire ça, tu vois, c'est ça qui me fait rire surtout. C'est pas la blague en elle-même qui n'est pas drôle, mais c'est de dire la meuf tranquille, elle fait la coach et elle dit tu fais l'exercice, tu caches ta poupe. C'est normal. Allez, rentre ton ventre. Ah, y en a marre, moi ça y est, m'ennuie celui-là, mais il faut tenir. Allez, va chercher. Là, tu vas faire ça. Les épaules sont basses. Tu vois? Et là, tu continues tout le long. Comme ça. C'est pour réchauffer les épaules. Et tu fais dans l'autre sens. Parce que dans les planches, on se ruine un peu les épaules quand même. Hein. Allez, vas-y. Tu fais l'hélicoptère avec les bras. Avec les bras, j'ai dit, messieurs. Hein. Oh la lourde! Je suis que lourdeur, c'est magnifique. Allez, j'ai le regret de vous annoncer que... Ah, vous m'entendez mal? Je parle pas... Ça... Vous m'entendez pas, la musique est trop forte? Faut que je parle plus fort? Bon, allez, on fait les squats. Squat. Allez, ben je parle plus fort du coup. Oh, aux courbatures d'hier ou pas? Oh. Ouh là là. Allez, tu te mets sur l'arrière, hein, plus sur les talons que sur les... Oh, je suis rouillée, putain. Donc, comme ça, d'accord, sur les talons, limite, tu peux lever l'avant des pieds et tu rentres le ventre. Essaie de faire en rythme. Oh, c'est dur. Oh là là. Après, on n'essaie plus de faire en rythme, hein, d'accord. Oh, oh. Oh là là, oh, j'ai des courbatures, putain. Je m'étais pas aperçue. Oh. Oh. Oh, désagréable lunette, hein. Allez, bon anniversaire Ophélie également. 3, 2, 1, go. Tu descends et genoux. Tu descends lentement, genoux lentement. Tu descends lentement.
et tu rends entre le ventre. Oh. Oh là là, j'ai la mollitude dans les jambes. Hein? Ah ouais, on s'est ruiné hier. J'étais énervée. Allez, encore. Allez. On le fait bien lentement pour bien sentir qu'on souffre. Pour bien sentir la contraction. Et du ventre et des fesses. Ah ouais. C'est meilleur quand c'est lent. Nous, on aime quand c'est dur et quand c'est lent. Et on n'aime pas quand c'est tout mou et tout rapide. Il est temps que... Il est temps que ces lives se terminent. Allez, sur les côtés. Allez, rentre le ventre. Allez, rentre le ventre. Tu descends bien et tu lèves. Sur les côtés. Oh, oui, c'est bien. Ouais, allez, on refait. Oh putain. Plié, côté, aïe. Plié, côté. Plié, côté. Oh là 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 là. J'ai les jambes, elles sont en rouille. Tu vois? Oh là là. J'ai l'impression que chaque jambe, c'est une vieille porte qu'on essaie d'ouvrir et qui grince. Oh, allez. On fait les sumo, bande de petites feignasses. Oh, sensation désagréable, hein. Allez, descends. Et vraiment, touche-toi les fesses, vas-y, touche. Touche ton boule. Vas-y, touche ton boule. Ah ouais, reste en statique pour mieux souffrir. Ah, parce que des fois, même quand ça fait mal, ça fait du bien. En rythme. Allez, parce qu'on s'énerve, hein, faut pas... Hein, on va pas y aller par quatre chemins, là. Oh, énerve-toi, vas-y, là. Oh, je suis énervée. Ouh, t'as mal, ça t'énerve. Hein? Oh. Attendez, faut que je... faut que je boive. Oh, oh là 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 là. On s'est vraiment fait mal hier. Hein? Allez, les amis. On continue. On va faire un peu des fentes. Pardon. Je suis désolée. Allez. Oh. Allez, de côté. Et tu descends. Tu remontes. Tu descends, tu remontes. Le dos est droit, le ventre rentré. Allez, va chercher le sol avec ta jambe arrière. Ça tire, ça fait mal. Eh bien, c'est normal. On reste sur cette jambe. Oh là là, bordel. Tu vas revenir en faisant le flamant rose. Flamant rose, descends. Flamant rose, descends. Flamant rose. Flamant rose. Respire, tu rentres, ton ventre. Ouh, garde pas l'équilibre comme moi. Ouh. Allez. Oh, c'est énervant. Maintenant, on va faire un truc que je déteste. Dans les cours keep cool, ils n'arrêtent pas de le faire. Ah, tu l'as pas vu arriver celle-là. Hein? Ah ouais, tu l'as pas vu. Vas-y, prends dans tes cuisses là. Allez, tu passes de ce côté. Oh, bon sang, bonsoir. Oh. Ouh, tu descends entre ton ventre. Oh là là. Oh, désagréableté. Ah. Ah.
Jamais, compte, c'est bon. Au bout d'un moment, merde. Allez, puis dessin de fond flamant rose. Bien le ventre à chaque fois, un contract. Allez. Wouh. Oh, j'ai la tremblote. Oh. On fait ça. D'accord. C'est affreux, c'est horrible. Descends. Tu viens toucher le sol, tu remontes, mais tu rentres le ventre, tu cambres pas. Descends, monte, descends, reviens. Descends, monte, descends. Contrôle ton dos là. Hein. D'accord, je te mets de profil. Tu vois, il n'y a que les bras qui montent là. Rentre le ventre. Bon. Oh. Elle est plus qu'un round. Après, on passe au sol. Allez, descends, monte, descends, remonte, descends, les bras, souffle, allez. Les filles, ce matin. Le week-end dernier, on était 1200. On dirait qu'il y a des petites feignasses dans l'air. Ouh. Souffrance. Putain, demain, ça serait bien qu'on soit un max pour la dernière du confinement, hein, les amis. Allez, on passe au solouné. Vous prenez votre tapis nouné avec votre serviette tout net. Tu le vois que j'ai un peu la gueule de bois ou pas? Tu le vois que j'ai du mal à être un peu excitée là. Oh putain. Allez les amis, on passe au sol. Et on va faire les abdos. Vous savez quoi? On va direct s'achever avec ça. Est-ce que ça marche? S'il vous plaît, merci. Allez, au sol. Direct. Et là, tu vas chercher le genou externe opposé et tu ranges le ventre. Oh. Tu ranges le ventre, tu souffles. Oh. J'ai mal. Allez, tu vas lever les épaules et tu vas aller sur les côtés comme ça, d'accord? C'est le haut qui bouge, c'est pas le bas, d'accord? Tu vois? Tu vas chercher avec ta main, tu essaies d'aller chercher tes chevilles. Évidemment, tu ne peux pas, à moins que tu sois dodo gadget au bras, d'accord? Ouh, rentre le ventre. Rentre le ventre. Allez, toujours. Allez, chaise renversée. Tu lèves les épaules, chevilles, tu tends la jambe opposée. Allez, tu pédales. Vas-y. Oulala, ça y est, fait chaud. Rentre le ventre. Si t'as mal, tu mets tes mains sous la nuque là pour te tenir la tête. J'ai trop de courbatures d'hier, les amis là. Allez, tu lèves une jambe. Oh, je suis décédée. Allez, genou opposé. Vas-y, va chercher. Tu rentres le ventre. Toujours. T'es fatiguée, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis fatiguée. Je suis là. Oh.
l'autre côté. Lève la jambe. Allez. Et tu tiens à chaque fois, hein. Souffle bien. Affale-toi comme une merde, c'est pas grave, on a le droit. Oh. Allez, les deux de chaque côté là. Oh. Oh. Allez, de ce côté et puis de l'autre. Tu reviens au centre. Côté, centre. Côté, centre. Allez, mets les mains sous les fesses. Rentre le ventre et tu vas descendre la jambe. D'accord? Ok, comme ça. Tu vois? Garde bien l'angle de ta flexion jambale. Rentre le ventre. Ça travaille, t'inquiète, ça travaille. Allez, putain. Désolé, on fait la centaine. La sardine. Oh. Allez, tu te mets comme ça. Et tu t'envoles. Tu essaies de décoller, là. Je suis en souffrance. Allez. La douleur n'est qu'une information. On continue les abdos encore. Oh. Oh là là. Tu fais des petits crunchs, pardon. Donc là, tu contractes bien le périnée. D'accord? Et tu mets les mains entre les jambes. Tu contractes le périnée, tu rentres le ventre. Tu vas descendre, fais attention à ton dos. D'accord? T'es pas obligé de descendre trop bas. D'accord? Tu vas jusqu'où tu peux sans que ça tire dans le dos. C'est le ventre qui retient. Et tu souffles, hein? Il fait très très bien travailler celui-là. Allez, tu lèves les jambes et on. Ah! Oh merde! Oh, je suis en kit aujourd'hui! Oh, allez, retiens la descente! Oh, allez, respire! Je suis la coach la moins motivante! Tu refais! La coach la moins motivante! La meuf, ça fait 2 mois qu'elle fait du sport tous les jours, elle souffre toujours autant, tu sais. Allez, accrochez-vous les filles, vous allez voir. Vous souffrirez toute votre vie. Vous ne progresserez jamais. Oh, allez, ouh. Et ça travaille les abdos, faut pas croire, mais regarde, touche, c'est dur, hein. D'accord? Ah. On va faire pareil, mais 2-2. D'accord? Rentre le ventre, contracte la founette. 1, 2, 1, 2, d'accord? Contracte le périnée, s'il te plaît. Chaton, toi aussi, là, c'est ton anniversaire. Tu contractes ce que t'as entre les jambes. D'accord? Un chaton. Ah! Oh! 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 J'ai tellement mal. Oh, oh putain. Allez, on fait l'oiseau. L'oiseau proche du crash. Allez,
rigolote pas la fin. Je... Voilà, je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Allez, descends et remonte. Allez, tu rentres là avant que tu souffles. Rentre le nombril quand tu descends et quand tu montes. Morte, mais morte, je sais pas, je vous jure, je suis toute molle. Oh putain, pourquoi je fais du sport tous les jours, chaque jour que Dieu fait, et je suis dans des appareils. Bon, en même temps, les vrais coachs, normalement, ils ont une hygiène de vie saine, c'est-à-dire qu'ils se boivent pas 3 litres de vin en une soirée, tu vois. Pas 3 litres, hein, j'abuse, mais... On n'a pas mangé, on a bu. Et ce matin, réveillé à 6h, tu vois. Pour se rendormir et rêver de glaçons carrés, grands comme ça. Oh, le frigo faisait des glaçons, que ça tombait dans le verre, et j'essayais de le piler et tout. C'était dur, je le pilais avec le doigt en plus, tu sais. Normal. Bon, allez, on passe au sol. On termine avec les planches, je suis désolée. On termine avec les planches, ça va être une horreur. Il se peut que je vomisse en direct, hein, Je vous préfère vous prévenir. Allez, on fait les fessiers. Et on va directement commencer par les ponts. J'en ai marre. Allez, tu fais bien attention. Regarde, c'est la fesse qui casse la noix, c'est pas le dos qui casse la noix, parce que si tu fais avec le dos, ta noix, elle se casse pas, tu vois? Vas-y, fais lentement, comme si t'étais Patrick Swayze dans Dirty Dancing, tu sais, il y a des moments où il fait comme ça, ou comme John Travolta, il fait tiens, tiens, elle peut t'enlever, tiens, tiens. Regarde, tu fais pas ça. C'est pas bien. Pardon. Allez, sur les fesses. Allez, chaton. Tu serres les fesses, Tansy. Allez, ne tombez pas le dos. Vous allez papillonner des genoux. Oh, tu as ruiné le cucu là quand même, hein. Mais tout, je la regarde. Et là, tu dis bye bye, cellulite. Allez. I just wait and stand alone. Quand je pense qu'on va finir avec les planches, j'ai déjà envie de pleurer. Écarte les cuisses, petite catin. Toi aussi, chaton, écarte les cuisses. Pauvre chaton. C'est son anniversaire. Je sais pas qui est chaton, hein. Je sais que c'est son anniversaire. C'est sa femme qui m'a dit que tu devrais souhaiter un bon anniversaire à chaton. Il se reconnaîtra. Alors chaton, j'espère que tu te reconnais. Ah. Allez, cache ta noix. Vas-y, tu t'énerves. Allez, tu rentres le ventre. Ne te casse pas le dos en deux. Hein. Allez, reste comme ça. Touche, regarde. Oh, c'est dur. Oh, la cellulite, elle s'en va là. Allez, serre. Oh, putain de merde. Oh là 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 là, la souffrance. Oh, intensité de la souffrance. Oh, ma fesse est en train de se déchirer, je crois. Oh. Allez, oh putain, tiens. Allez, vas-y, tiens. Oh. Attends, vous attendez que je me concentre parce que je vais monter de la jambe. Oh. Oh. Allez, reste en haut. Allez. Je fais que râler aujourd'hui, je sais. Mais. J'ai de la gueule de bois. Hein? J'ai mal au ventre aussi, j'ai mal à la tête. Et je suis fatiguée. Et je suis triste.
tu vas donner des petits coups de rein. Enfin, des petits coups de cul. Coups de rein. Allez, casse-toi. Ouais. Youpi. On casse des noix avec nos fesses. Tu contractes ta mort les fesses. Regarde, c'est dur. Allez, tu réécartes les cuisses. Talons. Et tu donnes des petites cassages de noix là. Cassage de noix. Uptown Funky What là. Mets-toi à quatre pattes. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god, Basima, Sima, when you shine. Oh là là, la souffrance. Allez, va chercher. Ceux-là, on n'y échappe jamais, hein. Ils sont très très bons. Tu rentres le ventre, gaines bien le haut, il n'y a que ta jambe qui bouge. Et au deuxième round, il va y avoir le bras aussi, d'accord? Reste instinctif. Oh. Allez, tu vas descendre. Tu montes. Le bras opposé, regarde. Il n'y a que la jambe et le bras qui bougent. Le dos est parfaitement droit, le ventre est parfaitement gainé. Allez. Il va y avoir les planches après, non mais on va crever. Oh. Tu vois, je pense toujours à l'après moi, c'est ça qui est horrible. C'est pour ça que je suis triste depuis des jours, parce que je pense à lundi matin que je ferai pas le sport avec vous. Comment je vais faire? Je vais pleurer. En plus, ils annoncent de la pluie. Je serai rentrée à Martigues, je serai plus chez mon maître. Le seul truc, c'est que je serai avec mes enfants, heureusement, hein. Mais putain, ça va être violent là, le retour à la réalité là. Allez, tu poses. Tu fais le chien qui fait pipi. Non mais c'est vrai, hein. 3, 2, 1, go. Lundi, retour au boulot. J'ai toutes les expéditions des commandes à faire, puisque ça y est, comme on déconfine, je fais les expéditions. Je pense que j'en ai pour 3 jours d'expédition. Mon mec, ben ça y est, on va reprendre notre vie bien séparée là. Chacun chez soi, se voir. On va se croiser au bureau, hein, mais bon, c'est pas pareil quoi. Oh. Allez, de l'autre côté. Et il y aura même plus les cours de sport le matin. Tristesse. Moi, je préférais la vie de confiné, hein. Même, ben, je sais que j'ai de la chance de pouvoir dire ça, hein, qu'il y a des tas de gens qui disent putain, vivement la fin de ce confinement de merde, hein, je sais, hein. Mais, putain. Moi, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé quand même, hein. Allez. Ah putain, pour rester en statique, c'est vrai. J'essaie d'aligner ma jambe au téléphone. Bon, rentre le ventre. Ne cambre pas trop, s'il te plaît. Allez, tu lèves le bras opposé. Oh bon sang, des bons soirs. Oh bonne mère, j'ai des marionnettes. Allez. Contracte le ventre, hein, tu es toujours gainé, hein. On aimerait toutes savoir comment va Chaton. Est-ce qu'il est toujours là, Chaton, ou est-ce qu'il est déjà en train de préparer son gâteau d'anniversaire là? Allez, souffle, Chaton, souffle. Pas les bougies. D'accord, pas encore les bougies. Allez, statique. Allez, tu descends, on va faire le chien qui fait pipi. Alors chaton, si tu fais cet exercice et que tu es en short, chaton, j'espère que tu as mis un slip sous ton short. Parce que quand on fait ça, hein, on va voir le petit oiseau. Souffrance. Ouais.
Alors, ce qui est quand même très mystérieux dans tout ça, ce qui est quand même très mystérieux, c'est que le temps passe plus vite que ce que je l'aurais cru, vous voyez, dans ces séances de sport. Allez, on va faire la petite danseuse avant de finir avec les planches, d'accord? Voilà. Je sais, bon, j'ai fait un kiki de... Ouais, hein, ah, je croyais que tu disais j'en ai plein le cul, mais j'ai plus de cul aussi, ouais. Et j'en ai plein le cul, hein, aussi, globalement. Allez. On se met sur les côtés. Chaton Nico. Allez, allez, on passe. Non, attendez. On va se mettre celle-là. Allez, tu te mets sur le côté. Here we go, we're back. Tu te mets en lévitation et tu descends là, d'accord? La jambe du dessous est relevée, là, on travaille à la fois les jambes et la taille. Et là, tu travailles à mort l'intérieur de la jambe puisque tu la soulèves, d'accord? Allez, tu es en gainage là. Hein. Allez, tu restes. Tu vas lever. Le genou est ouvert, pas comme ça, d'accord? Genou vers le ciel, tu tends, tu descends. Ok, j'ai bien expliqué hier que pour la danseuse, on fait des gestes, des mouvements lents, d'accord? Sur le stop, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc le bassin est légèrement ouvert. Voilà, c'est pas ça, 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 non. Ta jambe, tu la... Hop, là, tu tournes, d'accord? Comme ça. Et tu restes toujours comme ça, la jambe ouverte, d'accord? Allez. Donc là, on fait deux fois ça. Et donc là, tu fais bien lentement pour aller bien chercher l'extension et la contraction, d'accord? La fesse, elle travaille bien là, hein, d'accord? Allez, là, tu passes à 90 degrés. Tu vois, les jambes, ça fait... Là, si tu me prends une équerre, ça fait 90. Et tu ouvres. Tu ouvres. Allez, tu essaies de garder le bassin le plus droit possible et c'est ta fesse qui vient lever ta jambe, d'accord? Et là, c'est très bon pour la culotte de cheval. Tu dis bye bye, culotte de cheval. Au revoir. Ah. Et là, tu vas venir chercher ton coude, d'accord? Allez. Donc là, essaie de, voilà, de garder la jambe bien parallèle au sol, d'accord? Et normalement, ça brûle la culotte de cheval, quoi. Hein. C'est l'idée. C'est le concept. Tu rentres sur le ventre toujours. Ah. Allez, on de l'autre côté. Allez, tu te mets en lévitation. Et tu descends toucher ton coude avec ton genou. Très bon pour la taille, ça. Et pour les jambes. La jambe du dessous est relevée, hein, qui est en lévitation là. Hein. Ah. Ah. Allez, la danseuse, donc. Regarde, tu mets ta jambe comme ça et hop, tu tournes, d'accord? Voilà. Tu tends, tu descends, tu remontes et tu plies. Lentement, s'il te plaît. D'accord? Descends lentement. C'est pas saccadé, d'accord? Rentre le ventre toujours, hein. Non, mais tu vois, il faut pas faire ça. Ça, pas ça, pas ça. Non, vraiment. Dès que tu termines un mouvement, tu repars sur l'autre, tu vois? Tu descends, hop, tu remontes et tu plies. Tu remontes, tu descends, d'accord? On l'a fait deux ou trois fois là, merde, j'ai plus. Deux, hein, je crois. Allez, on va attendre l'autre chanson. On l'a écouté celle-là. Ah si, attendez, je change, on l'a déjà écouté. Bon, on remet Africa, c'est pas grave. Ah.
là tu te mets à 90, d'accord? Et tu ouvres. Culotte de cheval. Allez. Culotte de cheval. Allez. Et tu souffles. Ah. On voit ça tremble là. Ah. Allez, on termine les fessiers, après on place aux planches là. D'accord, on fait ça. Voilà, allez, vas-y. Garde bien l'écart là qui est entre tes deux jambes, d'accord? Ça brûlote normalement, hein? Ça brûle un peu le cucu là, hein? On est d'accord? Voilà. Bon, les filles, maintenant, l'heure est grave. L'heure est grave. On va passer aux planches. L'idée, là, c'est que, évidemment, moi, j'ai un peu l'esprit de compétition quand même. C'est-à-dire que quand je passe un step, un jour, le lendemain, bah, j'ai pas envie de redescendre en bas. Donc, hier, il s'est avéré que nous avons été nombreuses à réussir le défi de tenir tout le round, c'est-à-dire plus de 4 minutes, sur... en planche, sans jamais redescendre, donc en gainage, ce qui fut cependant assez douloureux et fastidieux, mais on y est arrivé. Alors, non, c'est pas fini, Chikamumu, non, on fait les planches. Alors, pour celles qui n'arrivent pas à tenir tout le long, essayez s'il vous plaît, au lieu d'abandonner, au lieu de lâcher sur les stops, au lieu de vous mettez sur les genoux, c'est-à-dire que par exemple, nous on est comme ça. On tient, mais vous, si vous fatiguez, vous vous mettez sur les genoux. Mais vous continuez à garder le ventre bien rentré, ok? D'accord? Ça travaille. Dites-vous que ça travaille. Donc, essayez de récupérer, mais juste comme ça. D'accord? Si, allez, on termine avec les planches, les filles. Allez, et si vous tenez... Mais après, pour celles qui ont tenu les 4 minutes, on essaie. Moi, je ne suis pas sûre de les tenir, je suis crevée aujourd'hui. Mais on essaye. Et sinon, on se le fait tranquille, c'est-à-dire qu'on est en planche pendant 20 secondes et sur les repos, il y a celles qui feront comme moi et qui seront toujours en gainage. Et puis sinon, vous vous reposez ou sur les genoux ou le cul par terre, ok? Pas de pression, on est là les copines, on est que des copines, c'est pas la compétition entre nous. Nous, on est là pour rigoler, pour se muscler, pour avoir le summer body et casser des noix, hein, c'est tout, hein? Pas de dispute, pas d'embrouille, hein, je vous le dis, hein? Allez les filles, vous savez quoi? On se le met sur le tabata, sur le tribal. Allez, on va tout déchirer, les filles! Sur les coudes! Statique! Rentre le ventre! T'es pas comme ça, d'accord? Allez, contracte le périnée! Allez, là, on puise, là! Là, on est en train de puiser, les filles. C'est hyper efficace, là. Aligne ton épaule au coude, hein. Là, c'est efficace, les filles. On brûle des calories. On va chercher le peu d'énergie qui nous reste. Allez. Si t'arrives pas à faire ça, tu restes en statique, d'accord? Ou tu te mets sur les genoux. No stress. Tu souffles. C'est le souffle, hein, qui fait tenir aussi beaucoup, hein. De l'autre côté. Si tu veux te reposer, c'est sur les breaks, hein. 3, 2, 1, go. Recoté. Allez, on s'accroche. Rentre le ventre. Voilà, fais bien attention d'aligner ton épaule au coude pour pas te faire mal, pour pas te blesser. Allez, on va tenir les filles, putain. Genoux. Entre le ventre, toujours gainé, allez, hein. Fais gaffe à ta position. Tu avances.
redescend. On passe sur les bras. On redescend. On repasse sur les bras. Genoux. 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 Rentre le ventre, allez. Vous avez lâché, mais c'est pas grave. C'est pas grave de lâcher. On progresse. Regardez, au début,